La première règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide? T'es vraiment trop gentille. Chut, c'est bon, on est arrivé. C'est quoi cette foule sur le pont? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là, alors il y a... l'Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Oh non. Tu le connaissais? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors c'est ça le châtiment des voleurs? La mort? Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens, allons-y. À toi, Amélie. Ouais. Je t'ouvre ça, et je file m'occuper d'Arthur. D'accord. Mais, au fait, c'est où l'université? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que... tu penses qu'on se reverra? J'espère bien. Tu m'es redevable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai de mon mieux. Voilà. Allez, passe. Bonne chance. Toi aussi. Ils savent qu'ils vont mourir s'ils restent ici, mais ils croient qu'ils s'en iraient d'eux-mêmes. Allez, viens. On doit faire partir les derniers. T'inquiète pas, va, on a presque fini. La ville est à nous. On va pouvoir accélérer les opérations. Ces ordures. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Doit être l'université. Cette lumière, j'aime pas ça. Bon, c'est vrai que c'est pas tout près, mais tu vas y arriver. Allez, Amicia. Hé, toi, là-dedans! T'es un des derniers, alors sors de là, ou on vient te chercher! D'accord, nous arrivons! Elsa, laisse cette vaisselle et va chercher les amis sur le tiers! Foutu bourgeois! La loi martiale est instaurée et la ville sous contrôle de l'Inquisition. Toute personne encore présente en ces lieux sera arrêtée et exécutée. La loi martiale? C'est incroyable. Pourquoi faire ça maintenant? Va essayer de faucher des trucs avec ces rats dans les pattes. Ah, bordel. Oh merde. Fais gaffe à pas faire.
fait passer tout ça. Le temps, c'est le dernier appel. Je t'avais dit qu'on n'avait plus le temps. Mais, et les affaires de papa? T'as vu ce qu'ils font aux gens? On doit partir, si l'Inquisition nous prend. Mais, Vera, laisse ça, on reviendra plus tard. Moi, je suis encore en vie. Et reste-y sagement. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est mon mari. C'était ton mari. Oh. Condamné. Au revoir. Le camp. Je peux pas partir sans lui. Ça ferme. La loi martiale, tu connais? Pardon. Tu as avant lui. Il a raison. Il faut que j'aille voir ce que c'était. Ça là-bas, c'était pas bon. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ils les ont tous exécutés. Vous avez fait ça. C'est un beau garçon. Il est ici parce qu'il a désobéi aux ordres. Il a eu peur ici. J'ai entendu quelque chose par là. C'est encore vous qui foutez le bordel, c'est ça? C'est bloqué. Peut-être que si je passe sous le gibet... Allez, Amicia. Personne. Accroche-toi. Pense à Hugo. C'est pour lui que tu fais tout ça.
Pourquoi je... Oh, oh, ce poisseux. Oh. Fidèle à ma foi. Je dois être fidèle à ma foi. Tout vient dans les écritures. Ad ignem, ad lucem. J'ai cru que j'y arriverais pas. Oh, j'oublierai jamais cette odeur. L'université. Tu vois? Allez, Amicia, continue comme ça. Le cimetière. Il est sur le chemin. J'ai vraiment pas envie de passer par là. Ça, ça vient de l'Inquisition. Ça doit pivoter. Efficace. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. Donne-moi au moins quelques pièces. Oh, non. Ça t'apprendra. Une fenêtre. Maître, voici l'épisanguis. Ah, voyons ça. Parfait. J'ai une question. On sait que ça vient des rats, mais... à quoi ça sert ? Nous appelons cela Odorous. Oh. Ah. C'est un des nombreux effets de l'épi sanguis, lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça? On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épi sanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs, comment pourrais-je dire, des accidents regrettables. Apportez ça au bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul de jatte. Je dois voir ça. Qu'est-ce qui vous excite comme ça? Tiens, tiens. Alors c'est ça l'épisanguis. Bien. Épisanguis et soufre. Bon, il ne reste plus qu'à essayer. Lucas, ça c'est pour toi. Ça marche. Ça va
Sauver la vie? Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, les fées ne durent pas longtemps. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. Une charrette. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. L'odorif ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Dis-moi que tu roules encore. Vraiment très discret. Bien, plus qu'à la déplacer. Tu vois, tu t'en sors. Tu t'en sors bien même. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'y suis presque. Lucas, a intérêt à exister, ton livre. Oh mon Dieu. Ils ont massacré tous les malades. Oh, les rats, ils ont lâché les rats. Aidez-moi. Je peux rien faire. Je suis désolée. C'est pas possible. Ils ont utilisé les rats contre les malades. Sale bestiole. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps? L'odoris. Je pourrais essayer. Une fois au bastion, ils vous donneront une bonne raison de crier, vous verrez. On a des artistes du couteau. Ça a marché. Pourquoi? Parce que c'est trop tard pour vous. On appelle ça la clémence. Mais rassure-toi, tous les autres seront bientôt sauvés. Hé! Arrêtez de les balancer dans l'eau! Ils finissent tous de l'autre côté. On peut plus patrouiller là-bas tellement... Oh, tellement ça pue. Vous avez de la chance de sortir encore... Le bruit. Hey,
C'est tout. Je brûle dedans. Dites ce que je dois faire. Je sais pas. Boire. Oh non, ne buvez pas ça. C'est un cauchemar. Allez, courage. L'université ne doit plus être très loin. Que j'allais cogner un de ces alchimistes. Du calme. Ils sont un peu arrogants, c'est sûr. Mais eux, au moins, ils savent lire. Ça leur donne pas le droit d'être cons. Tiens, il y en a un qui disait que Vitalis va pas bien. On savait que ça allait arriver.
Nous devrons prier pour lui.